θυμίζουν ως αφροσύνες. Μούνες χέντε. Bonjour à tous, Adopris Toxis, et je sais pas si vous avez entendu derrière, mais on dirait qu'il y a des gens qui font des trucs. Ah ouais, ils font une manif, mais le bruit il est chelou, hein. Enfin, disons qu'ils sont, on dirait qu'ils sont en plein... Ils me regardent tous en plus, c'est... Bah, je vais me barrer de cet endroit là, il est un peu trop pervers. Moi, j'ai des choses à faire. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle... une nouvelle quête annexe. Le pouvoir absolu. Ouais, c'est le titre. Malgré que je vous avoue que je suis un petit peu sceptique que je vais devenir invincible après. Mais non, c'est juste un intitulé de quête. C'est... sûr que je vais pas devenir invincible après. Et que je dis ça, je deviens invincible après et je rigole, je fais non. Je suis vraiment invincible. Bon allez, donc on est toujours à Sirène, hein. On va faire les petites quêtes de Sirène aujourd'hui. Salut, c'est toi au moins? Je sais pas si c'est lui le pouvoir absolu ou si c'est l'autre. Ça m'aide pas vraiment. C'est des clones. Bon bah tant pis, on verra bien. Je ne le supporte plus, ce maudit Léandre. Je sais qu'il est corrompu, mais ses liens avec Flavius le placent au-dessus des lois. Ah, ça doit être ça. Nous allons trancher ces liens. Plus facile à dire qu'à faire. Il a menacé ou acheté tous ceux qui se sont dressés contre lui. Simonides pourrait nous aider s'il n'était pas toujours sous. Il était à la villa de Léandre hier soir et il n'est pas rentré chez lui. Tu veux que j'aille le chercher? Volontiers. Ensuite, je m'adresserai aux autres magistrats. Essaye à la taverne ou au bordel au sud-ouest de l'arène. Il s'est peut-être perdu là-bas. Je te retrouverai chez moi. C'est la seule maison de la grande rue à avoir une grande terrasse. Ouais, c'est celui-là, pouvoir absolu. On s'en fout. La cible est localisée. Sera-t-il au bordel ou sera-t-il ailleurs? Oh, il a l'air pété. Et toi, Simonides? Oh, ma tête, pourquoi cries-tu comme ça? Ah ouais, il est pété. Dioclès qui m'envoie. Dis-lui que je suis mort. Il a besoin de ton aide, au sujet de Léandre. C'est à cause de ce chien que j'ai la tête comme une enclume et les boyaux en miettes. Je suis sûr que quelqu'un a drogué mon vin. Je suis désolé, mais je dois t'emmener avec moi. Que Bacchus aille chevaucher ses nymphes. Tu es une furie. J'ai pas compris. Si que Baouché allait chevaucher. Non, c'est pas ça. Comment t'appelles-tu, tortionnaire? Bayek. Égyptien? Oui. Dioclès dit que tu as vu Léandre hier soir. À une fête, à sa ville. Ça ne manquait de rien. Vin, femme, garçon. Je vois. Kryptos a perdu sa toge. Et? Et quoi? Ah, la mission. Ma mission. Tu as trouvé quelque chose? Simonides? Tout va bien? Non. Maudit sois-tu, fils de Ré. Quand je l'entends parler, j'ai vraiment l'impression que les gens c'était des objets à l'époque. Vin, femme, garçon, what? En fonction de ton âge, t'es un objet, j'ai l'impression. Comment ils veulent que je l'amène là-haut?
Je pense pas que je puisse grimper avec. Et la porte elle est fermée. Tu m'ouvres ? Bah voilà, c'est tout simple. Par la colère de la déesse Hera. Il est pété ton pote. Ouais. Et toi aussi apparemment. Je ne te demanderai pas où tu l'as trouvé, Bayek. Dans la rue. Le bordel a changé de place. Tu as découvert quelque chose chez Léandre? Et des papyrus, des traces de pots de vin de vol. Ces gardes m'ont surpris avant que je puisse les prendre. Mais j'ai réussi à me faire passer pour ivre. Un rôle de composition, Simonides. Alors les preuves sont à la villa, il suffit de les rapporter. Nous t'en serions à jamais reconnaissants. Mais pourquoi risquerais-tu ta vie pour nous aider? Parce qu'il faut écarter ceux qui abusent de leur pouvoir et soulager les opprimés, qu'ils soient égyptiens ou grecs. Ah, bien dit. Notre ami Bayek me rappelle Cicéron. Oh. La villa est à l'est d'ici, au milieu des vignes. Nous réunirons les autres magistrats au temple d'Apollon. Rejoins-nous là-bas dès que tu auras réuni les preuves. Que la fortune te sourie toujours, mon ami. Allez, et là il faut qu'on aille loin. Non, ça va encore. Il faut la teuf. C'est qu'ils en ont fait semblant de rien du taf dans les détails. Hein. C'est dommage qu'il y ait particulièrement pas mal de bugs. Après, on peut pas trop leur en vouloir. Ça risque d'être rectifié aussi avec le temps. Je sais pas si c'est le meilleur des accès. Tant pis, on va faire nous-mêmes. On va faire du vol d'oiseau. Oh, eh, franchement, il est chiant ce truc. Il est pas censé se désactiver, je vais me vénère là, t'es où? Hein? Il m'a tiré à travers les murs quoi. Oh, en même temps, je vais faire ce lieu.
Salut toi. Au revoir toi. Il y a un passage par l'intérieur, non? Ouais. Non. C'est nimp. Il est où l'escalier? Oh, il y a deux trésors. Bah, il y a où le deuxième? C'est le truc que je dois récupérer là? Des ordres pour son esclave. Ces fêtes sont coûteuses. Des pots de vin, des fêtes coûteuses. De l'argent pris dans les caisses. Les preuves de la corruption de Léandre. Ah, quelque chose sur Dioclès. Une manœuvre. Je dois avertir Dioclès. Il est peut-être en danger. Mais oui, il est en danger, mais c'est pas grave. Ah, bah il est là le deuxième. Et il était même pas capable de me dire attention, il y a un deuxième trésor dans la même pièce, quoi. Tu es en danger, Dioclès. Vas-y, ça te dirait de courir un chouïa plus vite là, histoire que je puisse monter. Mais oh, ça m'énerve ce truc qui m'énerve. Là pour suivre la route. Et le pire c'est qu'il risque de m'emmerder. Désolé du terme hein, mais c'est le cas hein. Jusqu'au bout. A chaque fois que je passerai une route. Voilà, ça va, apparemment il ne m'emmerde pas. Yo. Sit down, Capitis.
Limitation de vitesse oblige. Hein. C'était le Brotherhood qui avait ça aussi, je pense. Il fait très Brotherhood en fait celui-là. On doit attendre combien de temps? Léandre a dit de compter jusqu'à 100. Ah ouais. Et t'as compté, toi? Non. Et toi? Par Jupiter. Putain, ils sont cons. Tu n'en sais rien. Léandre cache bien... Ils sont cons. Dioclès, c'est un piège. Léandre veut prendre le pouvoir. Ainsi, vous voilà tous. Ah bah au final j'aurais peut-être dû les assassiner puisqu'ils devaient compter jusqu'à 100 avant d'y aller. Tu m'as sauvé la vie, mon ami. Si Léandre t'avait tué, de rien, mon pote. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Comment un homme peut-il être avide de pouvoir au point de commettre des meurtres? J'ai vu des hommes faire pire pour beaucoup moins. Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi, Bayek. Sirène mérite un meilleur dirigeant que lui. Sirène mérite un homme comme toi. Je me demande comment va Dioclès. Idioti. Oran vulmi ti mihanaste ina exeltis. Oui. Tis misonos afrosinis. Allô? Allô, y'a quelqu'un? Je parle le micro coupé, je sais pas depuis combien de temps. C'est dingue ça. Donc voilà, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous à tous.